elle, enfance des Ofelimintn, a pas été aussi facile que celle des autres. Dans son nouveau livre baptisé Resilience, la jolie blonde de 47 ans évoque son parcours tumultueux, notamment celui de sa mère qui ne s'est pas opposée lorsque son oncle abusait des elle. La chanteuse se confie rarement sur sa vie privée. Cependant, elle a décidé de le faire autrement. Et c'est, et dans son nouveau livre intitulé Resilience, que celle-ci a décidé de se livrer. La quadragénaire est notamment penchée sur une histoire de famille, notamment celle de sa mère qui avait laissé son oncle abuser d'elle lorsque elle était encore enfant. La chanteuse met les choses au clair. La jolie brune a décidé de remettre les pendules à l'heure. Auteur du livre Resilience qui vient tout juste de paraître, Ofelimintn se confie ouvertement dans celui-ci et ce, sans retenue, sur de nombreux événements de sa vie. Ofelimintn. Photo, Getty Images. Celle-ci statue sur plusieurs sujets, notamment les rumeurs de femmes victimes de violences conjugales, de sa situation de SDF ou encore de ses difficultés financières. Comme elle, a rapporté Le Figaro, la chanteuse est revenue sur un événement qui a marqué son enfance, celui de ses abus intimes. En effet, pendant plusieurs années, le frère de sa mère lui faisait subir des attouchements intimes. Toutefois, la jolie brune n'a pas gardé de rang droit d'auteur pur contre son oncle. Et la raison, son déficient mental. Elle tire un trait sur sa famille de passage sur les antennes RTL, la chanteuse de 47 ans, a évoqué son ressenti vis-à-vis de sa mère, et celle-ci lui en veut franchement, et la cause, celle-ci a fermé les yeux lorsque son oncle abusait d'elle. Getty Images. Cette terrible épreuve qu'elle a endurée a compliqué ses relations qu'elle entretenait avec sa mère, alors qu'elle lui avait confié la gestion de sa fortune lorsqu'elle avait 25 ans. Elle a d'ailleurs toujours regrette, puisque, à 30 ans, la quadragénaire a découvert qu'elle était ruinée. Or, celle-ci a pris une décision stricte, couper les ponts avec sa famille. Cela m'a fait un tel choc que j'ai coupé les ponts. Aujourd'hui, je n'ai plus de famille, Ofelimintn. Photo, Getty Images. A-t-elle, déclare dans les colonnes du Figaro. Obligée de subir une opération, elle se considère comme un échec son enfance auprès de sa mère, Ofelimintn a vécu cela comme cauchemar. Car celle-ci l'avait obligée de refaire une partie de son visage. Une obligation qui est d'ailleurs restée ancre dans la mémoire de l'écrivaine de 47 ans. Découvrez ce qu'elle a refait sur son visage. Capture d'écran. Photo. Twitter.com/tes loisirs. Abonnez-vous à Momama sur Google News pour avoir plus d'informations sur...